La vendange 2012 en France devrait rester comme une des plus faibles de l'histoire. Alors que les données définitives seront connues fin novembre, le service statistique du ministère de l'Agriculture publie tous les mois depuis cet été ses estimations. Alors que le raisin est en train de rentrer dans les quais, l'Hexagone ne produirait que 40,6 millions d'hectolitres, c'est 10 millions de moins qu'en 2011. Quel serait le pourcentage de baisse de production entre 2011 et 2012 sur la base des estimations? Nous allons calculer Y1 et Y2. Y1 correspond aux millions d'hectolitres en 2011 et Y2 correspond aux millions d'hectolitres en 2012. Donc Y1 est égal à 40,6 plus 10 qui est égal à 50,6 millions d'hectolitres en 2011. Y2 égale 50,6 millions d'hectolitres en 2012. Calculer le taux d'évolution de litres de jus de raisin de 2011 à 2012 avec le calcul suivant. P est égal à Y2 moins Y1 sur Y1 fois 100. Égale 40,6 moins 50,6 sur 50,6 fois 100 qui est égal environ à moins 19,8. Le pourcentage de baisse de production entre 2011 et 2012 est d'environ moins 19,8%.